Cette semaine, à Plan de match, une émission consacrée à la discipline du tir à l'arc. On rencontre notamment des archers de haut niveau pour parler motivation, aptitude, performance et objectifs. On aborde aussi les différents types de tirs et de compétitions. Flèches, arcs traditionnels et arcs à poulie. On en apprend davantage sur les caractéristiques et l'évolution à travers le temps. Très souvent associé à la chasse, on découvre plutôt une discipline sportive à part entière qui passionne des gens de tous âges. Bonne émission! Au départ, notre club, c'était un club de chasseurs. Les gars qui ont formé le club, c'était des chasseurs. Et puis, c'était pour s'amuser. C'était pas pour faire de la compétition. Et puis, c'était un club animalier. Avec le temps, bon, comme j'ai dit, avec les jeunes qui sont arrivés puis qu'on a voulu les faire participer aux Jeux du Québec, bon, là, le concentré qui est entré au club. Et puis, des adultes comme moi qui se sont mis à aimer ça aussi puis qui ont développé le goût du concentré. Être un tireur à l'arc, c'est pas nécessairement être un chasseur. J'ai plusieurs amis qui tirent puis qui tirent pas 3D, qui font juste du concentré, tirer sur des animaux, ça leur intéresse pas. Être un archer, ça veut pas dire aller à la chasse, comme être un chasseur à l'arc, ça veut pas dire être un archer de compétition, là, ça va dans les deux sens. Là. Je suis président du club La Flèche de l'Archer depuis 16 ans. Le club autour est en croissance. Tout le temps, depuis qu'on a commencé, on avait presque rien. Le matériel, tout à la gang, on a fait ça. Puis ensuite, on commençait à tirer sur des cibles animalières, des posters en papier. Ils mouillaient, ça tombait tout à terre. On allait les replacer. Ensuite, on a acheté 2D que vous voyez à l'arrière, là, des cibles en faune. Puis on est rendu au 3D. On a une centaine de 3D. Fondé en 1993, le club La Flèche de l'Archer du comté de Portneuf fait partie de la Fédération du tir à l'arc du Québec. Très impliqué dans l'initiation du tir à l'arc chez les jeunes et les adultes, le club est également l'hôte, en moyenne, de 4 compétitions provinciales par année. Il y a différentes classes dans le tir à l'arc. Tu vois, on a parlé des jeunes qui avaient minime, benjamin, cadet, junior. Après ça, il y a les seniors. Puis après ça, à 50 ans, tu as maître 50. Après ça, les mètres 60. De 9 ans à montant, là, on les montre le tir à l'arc. Ça fait environ 8 ans qu'on fait ça. Puis on a eu une très belle réussite. On l'a vu aux Jeux du Québec. Là. J'ai commencé par me faire initier par Denise. Un soir, comme ça, ils m'ont passé un arc du club et puis j'ai essayé. J'ai adoré. Fait que là, je me suis inscrite au club. Puis là, je venais tirer les samedis matins de temps en temps. Puis là, tranquillement, j'ai vraiment accroché à ce sport-là. Fait que là, j'ai commencé à faire des compétitions, encore une fois, tranquillement. Tu tires de plus en plus, puis là, les compétitions, le nombre de compétitions augmente, tu t'améliores tranquillement. Jessica, ça fait pas des années qu'elle tire, mais tout de suite, la première fois que je l'ai vue tirer, je savais. Je savais qu'elle l'avait, puis qu'elle serait bonne. Et puis, ça se confirme. Et puis, si elle continue, qu'elle met beaucoup de temps, puis elle a des chances, je pense, elle a des chances de se classer sur l'équipe pour le Canadien, l'équipe du Québec au Canada, pour les Jeux du Canada. Ça va avoir lieu, si je me rappelle bien, c'est en Alberta, en 2019. Quand tu arrives devant la cible avec ton arc dans les mains, tu n'as pas le choix de penser à rien. Tu commences à réfléchir en même temps, ça marche pas. Il faut vraiment que tu sois dans ta bulle. Donc, tu n'as pas le choix de faire le vide, en quelque sorte. Mais le stress est quand même là. Tu as une petite boule dans ton ventre, puis quand tu fais du tir à l'arc, tu peux pas vraiment te permettre de stresser parce que tu commences à checker. Ton arc au bout de la ligne, ça check aussi. Au terme de la saison 2014, Jessica Beaumont a reçu le trophée de l'archère de l'année au Québec pour les moins de 20 ans. Denise Gauthier a reçu la même distinction chez les plus de 20 ans. Deux autres compétiteurs de la Flèche de l'Archer ont reçu des honneurs similaires la même année. Si on parle de la cible animalière, bon, c'est un tir qui se fait
sur une cible de dimension, on appelle ça un 3D, c'est de dimension réelle de l'animal. Il y a la partie vitale qui donne des points. Le cœur, le centre du cœur va donner 11 points, le cœur lui-même 10, la partie vitale va donner 8 points et le reste de l'animal va donner 5 points. Ça, ça se fait à une distance inconnue. Pour chaque catégorie, il y a un maximum. Tu sais, le jeune minime, son maximum va être 20 mètres. Le benjamin, ça va être 27 mètres. Le cadet, ça va être 36 mètres. Et les mètres, c'est 36 mètres aussi. Par contre, les seniors et les mètres 50, c'est 46 mètres. Par contre, la cible concentrique, qui est une cible de couleur, de papier, qui est sur un ballot à distance connue, fixe. En salle, l'hiver, c'est toujours 18 mètres. Dépendamment de la catégorie, la grosseur de la cible va aller avec. Un jeune va tirer sur une 60 cm, un plus vieux sur une 40, ou encore là, sur un trispot, qu'on appelle. Ça, c'est l'hiver, en salle, 18 mètres toujours. Après ça, si on s'en va à l'extérieur avec la même cible, bien là, il y a différentes distances. On peut aller jusqu'à du 70 mètres. J'ai vraiment travaillé durant l'été avant les Jeux du Québec. Je m'entraînais régulièrement. Je me compare avec du monde, ça fait 9-10 ans qu'ils tirent. Moi, c'est juste ma troisième année. Puis quand je suis arrivée aux Jeux du Québec, j'avais pas d'attente. Je me suis dit, les archers qui sont là sont tous super bons. Tu es ici pour t'amuser, tu donnes le plus que tu es capable, puis on verra ce qui arrivera. Finalement, j'ai fini première au concentrique et deuxième au 3D. Donc là, je suis sortie des Jeux du Québec, les étincelles dans les yeux. Là, ben voyons, finalement, t'aurais dû croire plus en toi, là, te rendre compte que t'es capable, là, t'es au même niveau que les autres, finalement. Là. Il y a 2 ans, en Alberta, j'ai établi un record canadien dans le parcours campagne. Ça aussi, j'étais fière de moi. Ouais. Un parcours campagne, c'est, on peut dire, un mélange des concentriques et de l'animalier, parce que ça se fait dans le bois, mais c'est des distances connues comme en concentrique. On fait 24 cibles, on peut tirer de 10 mètres à 60 mètres. C'est sûr que à 10 mètres, la cible est plus petite qu'à 60 mètres. À 60, on parle d'une cible plus grosse. Il peut y avoir des côtes, c'est dans le bois, mais on connaît la distance. Et puis, on tire 72 flèches. Et puis, j'avais établi un record chez les maîtres en Alberta. Depuis 1999, les athlètes du club La Flèche de l'Archer ont participé à plusieurs championnats canadiens, de la Nouvelle-Écosse jusqu'en Colombie-Britannique. Ils ont remporté plus d'une cinquantaine de médailles. En 2009, le Canadien était au Québec. J'ai fait les trois, le concentrique, animalier puis campagne, que j'ai remporté 3 médailles d'or. Là, ça, je pense que c'est le plus beau que... ma plus belle réussite. On a des adultes qui sont très bons, hein, qui sont très représentatifs dans tous les tournois. Puis je pourrais nommer ma femme, mais ça paraît mal. Non, il y a Denise, ça fait longtemps qu'elle gagne les championnats canadiens. Il y avait 3 disciplines dans le championnat canadien. Puis elle a gagné la médaille d'or dans les 3. Ça s'était jamais vu. Puis elle est connue, elle a voyagé beaucoup. Là, on a voyagé dans le Canada, on est allé jusqu'à Vancouver. Puis elle est connue partout. Christian Frenette, chez les traditionnels, a battu des records. On a chez les jeunes, Valérie Sauvageau, cet été, a battu des records. Jessica en a battu aussi dans chez les cadettes. Élie avait battu des records qui n'ont pas encore été battus d'ailleurs aux Jeux du Québec. Il y en a plusieurs qui ont battu des records. Je suis un archer traditionnel, ce qui veut dire que j'utilise un arc recourbé, parce qu'il y a 2 types d'arcs traditionnels, il y a des arcs longbeaux et des recourbés. Et c'est des arcs qu'on tire à l'instinct, il n'y a pas de mire, de système de mire dessus. Là, j'ai commencé à tirer il y a 2 ans, puis à ma grande surprise, je me suis rendu compte que ça allait. Denis et Pierre m'ont dit que je tirais mieux pour un tireur traditionnel. Les aptitudes, je pense que j'avais acquises qui m'ont permis de bien performer dans le tir traditionnel à l'instinct. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de tir à carabine. J'étais dans un cadet de l'armée, fait que je faisais partie de l'équipe de tir. Puis je pense, j'ai fait 15 ans d'arts martiaux.
J'ai fait comme du karaté, du tai chi, beaucoup de tai chi aussi. Fait qu'une quinzaine d'années, presque 20 ans d'arts martiaux. Fait que je pense que ça aide aussi à la posture, à répéter le même mouvement, à garder un bon contrôle. Fait que c'est comme un complément aussi qui est arrivé là-dedans. Fait que je pense que c'est ça qui m'aide, c'est ce background-là qui m'aide à performer. L'arc et la flèche sont utilisés comme armes de guerre ou de chasse depuis des milliers d'années par l'homme. C'est seulement au 16e siècle en Angleterre que le tir à l'arc serait devenu un sport récréatif. Au début, on a eu l'arc courbé, qu'on appelle. Un arc courbé, ça ressemblait pas mal à ça. Là. C'est pas vraiment... Mais ça représente... C'est un bout de bois avec une corde. Ça, c'est un arc courbé, parce qu'il y avait une courbure. Après ça, pour avoir plus de vitesse, plus de précision, ils ont sorti les arcs recourbés. Si on regarde ça, il y a une courbure, puis une recourbure ici. Ensuite de ça, si on regarde dans les années 70, c'est ça que je disais, 60-70, ils sont arrivés avec la poulie. Ce que ça faisait, ça, la poulie, c'est qu'on pouvait emmagasiner plus d'énergie sur plus longtemps. C'est beaucoup plus facile à retenir, puis en plus, c'est beaucoup plus rapide. Puis un autre avantage aussi, c'est qu'on a tout le temps la même allonge, que c'est très difficile avec un arc conventionnel d'avoir. Les bons archers traditionnels, on dira ce qu'on voudra, là, ils ont tout le temps la même allonge. Ça, c'est plus mental que d'autres choses. Ils savent qu'il faut qu'ils tirent tant. C'est des façons de faire automatiques. Tandis qu'un archer qui tire avec un arc à poulie, lui, il l'a pas ça. C'est vraiment la poulie qui fait que ça arrête là. Par la suite, les matériaux ont changé un peu. Au début, le manche comme tel, il était en bois. Ensuite de ça, il s'est ramassé en magnésium. Du magnésium s'était coulé dans un moule. Puis ça, c'en est une. Ça, parfait modèle de magnésium. C'est pas de l'aluminium, c'est plus fragile que de l'aluminium, mais c'était plus léger aussi. Par la suite, les manches sont devenues en aluminium machiné. Là, on parle de beaucoup plus de précision. Par contre, c'est un peu plus lourd, mais c'est beaucoup plus solide. Aujourd'hui, si on parle des arcs, le Nec Plus Ultra, c'est le carbone. Le manche, là, c'est plus de l'aluminium, c'est vraiment du carbone au complet. Les branches sont en fibre de verre ou des fois en alliage carbone-fibre de verre. Puis la manche comme telle est en carbone. L'avantage du carbone, c'est le poids. Il est extrêmement léger comparativement à un arc en aluminium. Au Canada, des clubs de tir à l'arc sont formés au milieu du 19e siècle. Ça dépend de l'archer en tant que tel, parce que traditionnel, on pourrait considérer ça plus dur parce que t'as pas de mer, l'arc est vraiment nu. Donc, tu pourrais t'attendre à avoir des moins bons résultats. En même temps, des fois, il y a des archers qui sont tellement bons qui arrivent à faire des meilleurs scores que certains qui tirent à poulie, par exemple, ou si l'arc est vraiment plus évolué. Bien, à partir du premier record que j'ai battu, j'ai pris conscience qu'il y avait des records, fait que je pouvais me fixer des objectifs à atteindre qui donnent une bonne motivation. Fait qu'à ce moment-là, je me suis entraîné peut-être un peu plus régulièrement pour le phyto, regardé beaucoup comment ça se faisait, pris des conseils de Denise qui fait beaucoup de phyto et de Pierre, les gens du club qui nous entourent. L'hiver dernier, j'ai fait du cercle concentrique, puis j'ai battu 7 records provinciaux. Puis la majorité, je pense que c'est les 6 records sur 7 datait d'il y a 10 ans, parce que le record qui datait d'un an, c'est le record que j'avais battu l'année d'avant, ma première année de compétition. Fait que j'étais bien surpris de voir ça, j'étais content, puis ça donne une bonne motivation. C'est intéressant de pouvoir se comparer avec ce qui s'est fait dans le temps aussi, là, c'est intéressant. En ce moment, mes compétitions sont bien. Je suis deuxième au Canada, j'ai été au Jeux du Québec, j'ai gagné des provinciales. Valérie était d'âge minime. On l'a surclassé Benjamin en animalier. L'année dernière, elle était d'âge minime. Et puis, on s'est dit, elle va perdre son temps. Alors, on l'a surclassé. Fait qu'en animalier, au lieu de tirer à du 20 mètres maximum, elle tirait à du 27 mètres maximum. Puis, elle a toujours fini première. Fait que je pense qu'on avait pris une bonne décision en faisant ça. Ça l'a avantagé. Par contre, en concentrique, elle est restée minime. Et puis, elle a gagné le championnat provincial extérieur aussi. Moi, ce que j'aime dans ce sport-là, c'est que
ça nous apprend, bien, ça m'apprend et peut-être à d'autres personnes, de se concentrer. En concentré, quand on tire 3 flèches puis 10 ou 12 volées, j'essaie d'être en haut de 200. Les cibles se divisent en 5 cercles de couleurs: jaune, rouge, bleu, noir et blanc. Ces cercles sont eux-mêmes divisés en 2 pour former un total de 10 cercles. Plus la flèche de l'archer atteint la cible près du centre, plus elle lui rapporte de points. Un tir parfait au centre vaut 10 points. Et en animalier, j'essaie tout le temps d'être dans 120 plus haut. Cette année, elle va avoir un petit peu plus de concurrence, peut-être. Ils sont plusieurs Benjamin. Et puis, mais je pense qu'elle va continuer à garder la tête facilement. Nos coachs nous accompagnent en compétition parce qu'eux aussi, tu sais, ils font pas juste de nous coacher. Et on part en famille, mais eux aussi, ils viennent aux compétitions pour compétitionner avec nous, puis regarder qu'est-ce qu'on fait de pas correct, puis nous améliorer. Bien, je pense que les jeunes aiment bien ça, tu sais, quand t'es là, puis que tu les encourages, puis que tu leur dis que c'est bien, puis de continuer, de pas lâcher, puis tout ça. Parce qu'ils voient quel chemin que nous, on a parcouru là, à ce moment-là. Et puis, ça peut que les motiver. Ça a été une super de bonne année. C'est sûr que parfois, il y a eu des hauts puis des bas. Il y a une compétition que ça va moins bien. Cette année, les provinciaux concentrés qui m'est arrivé un petit peu pas justement, les deux arcs, c'est pas inutile. En fait, j'ai un petit problème avec mon appui flèche. Il a arrêté de lever en plein milieu de la compétition. En fait, au départ, on pensait vraiment que c'était moi l'erreur, que c'est moi qui, sous le stress, j'avais mal décoché, ma flèche était allée en dessous du ballot. OK, ça doit être moi. Fait que j'ai continué à tirer. Donc, c'est pas un miss que j'ai fait, c'est 3 miss que j'ai fait. Donc, c'est 30 points de moins. Quand il arrive un pépin comme ça, ça t'appelle l'officiel, puis il va donner un prix d'équipement. T'as 15 minutes pour réparer. Les autres, tu continues à tirer, mais toi, t'es en stand-by. Tu répares tes trucs, puis après, il faut que tu rembarques ta ligne de tir, t'as pas le choix. Là, t'es toute seule, ta ligne de tir. Fait que tout le monde te regarde. Allô? Fait que là, faut que tu tires tes flèches, comme si de rien n'était. C'est stressant. J'ai continué, puis finalement, j'ai réussi à reprendre un peu le retard que j'avais pris pour pointer la première, mais j'ai quand même réussi à monter sur le podium en 3e place. Donc, c'est une petite fierté de savoir que peu importe ce qui arrive, faut pas lâcher. Ça, ici, c'est un arc qui est fait exprès pour le FITA. On parle du tir concentrique. Un long stabilisateur, une mire qui est complètement ajustable, même micrométrique. La Dragon, elle la serre, c'est mental, ça. C'est pour empêcher l'arc de tomber par terre. Mais dans le fond, c'est pour éviter que le tireur ferme sa main complètement sur l'arc. Il va tirer la main ouverte, la main molle. Puis quand il va tirer, l'arc, elle va tomber tout seul comme ça. Parce que s'il n'y a pas la Dragon, ce qui va arriver, c'est que à toutes les fois qu'il va tirer, il va faire il va l'attraper. L'œilleton, sa fonction, c'est d'avoir tout le temps la même visée. C'est comme sur une arme à feu. C'est la mire arrière, si on veut. La façon de viser avec ça, il faut que l'œilleton, la mire en avant, le rond de la mire, il faut qu'il arrive exactement dans le rond de l'œilleton. De même, ça nous permet d'avoir un maximum de précision. Si on regarde dans cette mire-là, en plus de ça, il y a un niveau. Le niveau, qu'est-ce qui permet, lui, c'est d'avoir l'arc vraiment droit quand on va tirer. La façon de tenir l'arc, la façon de tirer, parce qu'un archer, avec un autre archer, c'est pas pareil. Ça veut dire que si cet arc-là est parfaitement tuné pour moi, ben, ce ne sera pas pour vous nécessairement. Aujourd'hui, les arcs sont tellement sophistiqués que, comme la force, tu n'as quasiment plus besoin. C'est toutes des machines dans 20 ans, là, c'est plus les mêmes affaires. Là. C'est terrible comment ça évolue à toutes les années. J'ai corrigé 2 choses ou un peu plus, mais les choses principales, c'est que je tirais trop vite, je prenais pas assez le temps, ou sinon, avec le déclencheur, il faut mettre notre doigt en avant. Mais je faisais ça, je donnais un coup, fait que ça l'aidait pas, fait que je l'ai corrigé, puis là, je suis rendu correct. Quand on tire à la cible, c'est des volées de 3 flèches. Puis avant, j'essayais toujours de tirer 3 belles flèches.
Puis j'ai un ami qui me dit, essaye pas de tirer trois belles flèches. Tire trois fois une belle flèche. Fait que c'est de se concentrer sur la flèche qu'on tire. Ce qui est passé, on s'en occupe plus de ces flèches-là. Le club La Flèche de l'Archer est porté à bout de bras par ses responsables et ses membres et leurs innombrables heures de bénévolat, année après année. Le club reçoit aussi des appuis considérables de deux municipalités. L'avantage principal d'un club de tir, c'est justement, c'est tous les outils qu'on a. On a des bow press qu'on appelle, des détendeurs d'arc. Ça, ça nous permet de changer les cordes facilement. Dans un club de tir, en plus, on peut faire nos propres cordes. On a les outils pour ça. On peut faire nos propres flèches de A à Z. On achète un tube de flèches tout nu avec rien. On achète les plumes à part. On achète les pointes à part. Les inserts, c'est la même chose. On peut tout faire dans un club de tir. Ma femme a fait ça plus pour le loisir, mais elle tire très bien aussi. Dans les compétitions féminines, archères traditionnelles aussi comme moi, dans la même dans la catégorie femme et même catégorie comme moi. Là. Elle se lance toujours dans les trois premières aussi, elle va vraiment bien, puis on a beaucoup de plaisir à tirer ensemble. Là, mais elle n'en fait pas. Elle a d'autres passions qui passent avant ça. Moi, c'est comme une passion principale. En premier, ça a été ma sœur. Après ça, j'ai suivi ma sœur. Puis là, mes parents, ils ont dit que c'était plate tout le temps à attendre en arrière de nous. Puis ils se sont dit, à place d'attendre, on va tirer avec eux. Puis ils ont commencé à tirer. Mon père, ça fait à peu près 2 ans. Puis ma mère a commencé cette année où ça fait 1 an, à peu près. J'ai fait des compétitions, mais j'ai autant pas compétitionné que ma femme. Elle me bat presque tout le temps. On peut dire tout le temps. Mais j'en ai fait beaucoup. J'ai fait quasiment le Canada faire des compétitions. J'ai venu gagner des tournois aussi. Dans les prochaines choses que j'aimerais réaliser, il y a un record qui date d'une vingtaine d'années au tir à la cible. C'est un monsieur Labrosse qui est une légende dans le tir à l'arc au Québec. C'est dans les meilleurs archers qui a passé. Puis ce qu'il a tiré, j'aimerais être capable d'atteindre ce niveau d'excellence-là aussi. Mais je me donne plusieurs années pour l'atteindre parce que c'est vraiment élevé ce qu'il y a comme établi comme standard. Ma force entre les trois, franchement, je sais pas. Ça dépend comment je file. Une journée, je préfère le campagne. L'autre journée, je préfère le 3D. Puis ça varie. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que tu te tannes pas du tir à l'arc. Il n'y a pas d'âge pour commencer un sport, là, que ce soit le tir à l'arc, le golf, n'importe, les quilles. À un moment donné, les gens ont besoin de loisirs aussi, hein, et puis bon, on va vers ce qui nous plaît. Tu vois, moi, j'ai commencé à 48 ans, puis depuis l'an 2000 que je participe à des Canadiens, et les derniers, l'été dernier, à 68 ans, j'espère en faire encore une coupe. C'est ainsi que prend fin cette édition de Plan de match. Joignez-vous à nous lors de notre prochaine émission pour découvrir une autre discipline sportive. Au revoir.